Eh bien bonjour à tous, c'est Doc. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actu. Alors elle va vraiment être très courte, hein, je pense. On va juste parler un petit peu d'un event. Enfin peut-être qu'il y avait un peu plus long que prévu du coup. Qui s'est passé? Donc rappelez-vous, on avait pu voir la dernière fois, c'était l'event Le Voyage. Au niveau des participations, ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que quand on regarde le sujet, on a eu les résultats du coup de l'énigme. Et en fait, regardez, il y a eu une seule participation. C'est ce joueur, donc... Tengils, excuse-moi si je prononce mal ton nom, tu passes par là, mais voilà, il a gagné 3000 or et du coup il a même pas réussi toutes les énigmes, et du coup ils lui ont quand même donné les 3000 or qui était le prix de la place de la première place du coup. Et voilà, donc un seul participant alors que tous les jours il y a des centaines de personnes qui doivent se connecter au forum Grepo. Enfin, déjà c'est catastrophique, hein. Ça soulève quelques questions, donc on va en parler un petit peu après. On va déjà regarder un peu les réponses. En moi, celle qui m'intéressait, voilà, c'est ça. Je peux être de toutes les couleurs et de toutes les tailles, je réchauffe comme nous sommes côte à côte. Malheureusement, c'était pas ce que je pensais, c'était un blouson. Bon bah. Dommage. Les autres énigmes, c'était crème sur les valises. Alors, je sais plus c'était trop quoi les réponses. Je suis léger, nanana, j'ai le même nom que vous. La valise a le même nom. Ah ouais, sur le. Ok, quand on met son étiquette. C'est le produit des parents préférés à la mère pour les enfants, la crème solaire. D'accord, pourquoi pas. Ça, c'était Hawaï. Finalement, c'était pas une image de Grépolis. Je pensais avec le petit arbre, là, ça me pensait aux arbres Grépolis, mais pas du tout. Et l'image, alors, voilà, ça, c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. L'image à trouver était celle qui était dans l'énoncé du concours. Ouais, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Bref, c'est pas bien grave. Alors. Comme je vous disais, il y a un petit souci du coup sur cet event, hein, c'est qu'on peut voir une seule participation alors qu'en France on compte au moins peut-être une dizaine de milliers de joueurs sur Grepolis. Alors, ouais, tous les mondes confondus, on va dire, oh, grosso modo, hein, c'est pour leur idée de toute façon qu'il n'y ait qu'une seule participation sur un event qui était là depuis une semaine au moins, du 21 au ouais, dimanche, ouais, ça toute la semaine voilà, jusqu'au 27, du 21 au 27, donc 7 jours. Un seul joueur qui a pris la peine de répondre à quelques énigmes. Bah, on va pas se mentir, c'est assez bah, catastrophique. Hein. Ça montre bien que du coup cet event n'était pas du tout adapté. Dans le sens où bah, les events sur le forum, c'était bien, je pense, en 2012. Mais en 2021, maintenant que bah enfin c'est, on n'est plus sur le même. Plus tout à fait sur le même principe, quoi. Non, les events sont beaucoup en jeu, peut-être, les gens préfèrent les avoir en jeu. Et puis ce genre d'event où bon, les énigmes, bon, ça fait 10 ans qu'on a des énigmes sur le forum. Bon, on peut se demander, voilà, est-ce que c'est toujours bah, d'actualité? Est-ce que les gens ont toujours envie de faire ça? Moi, je pense pas, du coup, hein, concrètement, voilà, je pense qu'on peut dire que, bah, que c'est un peu compliqué. Alors, moi, du coup, je me dis, j'aurais peut-être dû répondre n'importe quoi. Moi, j'aurais gagné 2500 de gold, mais bon, je suis pas assez après, j'en ai encore 25 000, je crois. Un truc comme ça de pilos, donc, ouais. Mais voilà, du coup, tout simplement, dites-moi ce que vous en pensez aussi, hein, c'est intéressant d'avoir aussi votre point de vue sur ça. Mais effectivement, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être que du côté de Grepolis, d'InnoGames, en tout cas. Et réfléchissent bien peut-être au futur des events sur Grepolis, notamment ce genre d'event en fait. Parce que les events là, comme on a actuellement Grepo Olympia et tout, bon, on est habitué, hein. Mais concrètement, c'est un peu le type d'event qui marche, qui attire toujours un peu des foules. Il y a toujours un peu un concours entre les alliances pour être la première pour chaque épreuve, etc. Donc ça fonctionne, c'est pas trop un souci, mais c'est ouais, ce genre d'event forum bah, qui est peut-être à revoir. Hein. Je dis pas qu'il faut plus faire d'event sur le forum, c'est toujours intéressant. Parce que quand je vois par exemple la loterie, quand ils font la loterie, il y a des centaines de participations facilement. Voilà, donc c'est comme quoi les gens sont quand même intéressés par le forum, ils passent sur le forum, il y a toujours des suggestions dans suggestions et idées. Peut-être qu'un jour d'ailleurs je ferai une vidéo pour voir un peu ce qui se passe dedans, etc., pour vous montrer comment ça fonctionne, etc. Mais voilà, ce genre d'event, je pense qu'ils sont à revoir. Je pense qu'honnêtement, le voyage, on le reverra plus. Je pense qu'il y a peu de chances même qu'on le revoie, étant donné qu'il n'y a qu'un seul participant sur plusieurs milliers de joueurs. Ça risque d'être compliqué. Enfin bref, on va se laisser ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.